définir ma joie, mon bonheur en tant que médecin, de retrouver Denis, avec qui nous partageons depuis longtemps, Jean-Marc, Bernard, de voir comment ils ont créé de belles choses, et ça correspond tout à fait à l'ambition que j'ai pour le territoire, pour notre territoire, et cette ambition de former les jeunes, de leur mettre le pied à l'étrier, et de leur transmettre la connaissance de telle manière qu'ils mettent en œuvre leurs compétences. Et Jacques et le Gros et les autres sont là pour ça. Le deuxième point qui me paraît extrêmement agréable, c'est de voir que les internes sont accueillis, vont pouvoir bénéficier d'une formation de très haut niveau à titre totalement gratuit. Les anciens que nous sommes en termes de médecine doivent se préoccuper de la formation et de l'avenir des jeunes et doivent les épauler. Troisième point important, c'est que vous avez le meilleur de ce qu'il y a à l'hôpital et le meilleur de ce qu'il y a en ville. Et que tout ça fait notre médecine française, même si nous n'arrêtons pas de complexifier les rapports qu'il peut y avoir entre les uns et les autres, les structures administratives et financières qui finissent par nous faire perdre du temps au lieu de le consacrer aux malades. Enfin, je voudrais dire à tous ceux qui viennent de l'étranger, de Rabat, mon cœur est à Rabat puisque depuis 1996, nous étions jumelés avec le schiste de Rabat et qu'en 2008, j'ai participé à une mission OMS pour la réorganisation des hôpitaux du schiste de Rabat et qu'une grande partie de ce que nous avions préconisé a été faite. À l'époque, nous avions travaillé avec votre directeur, chef Charlie, et je me souviens avoir eu un contact très intéressant avec le ministre de l'époque. Nous avions pris, après les discussions organisationnelles, le temps de parler d'homme à homme et de culture à culture, ce qui était très agréable. Et enfin, pour ceux qui ne parlent pas français, je sais que nous avons des amis allemands, des amis belges qui viennent. Eh bien, I will say you welcome in Limoges. Merci, bonne journée et félicitations à vous tous.